إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مرحبا بكم في هذه المقدمة bienvenue à vous tous, alhamdulillah, pour cette introduction à la méthode medin plus, une grande aventure dans laquelle nous allons nous lancer ensemble inshallah. on va très rapidement voir un certain nombre et j'espère bien revoir un certain nombre de points, de grammaires, de bases, afin de repartir sur des bases saines et pouvoir se comprendre lorsque je vais m'adresser à vous inshallah. donc nous allons voir dans cette introduction de la méthode Medine Plus, un certain nombre de points et ces points sont au nombre de deux dans cette moncade Les notions de base essentielles à la compréhension. Premier point et premier objectif durant cette introduction, c'est la révision des signes de base que l'on nomme en arabe el Al alamatu. Répétez après moi el Al alamatu. Répétez. Rappelez-vous ici parmi les outils d'apprentissage de l'élève dans la madrasa dans notre institut en ligne il y a le fait non seulement d'être attentif inshallah ta'ala mais aussi de répéter après moi donc vous êtes seul devant votre écran et peut-être que des gens qui vous regardent vont vous prendre pour un fou ou vous prendre pour une folle mais ce n'est pas grave parce que vous êtes en train d'apprendre inshallah donc lorsque je vous dis Al eh bien, vous répétez après moi. Je veux bien évidemment que cela vous serve à mieux vous exprimer en arabe et à mémoriser. D'accord Donc, premier point, El Alamatou. Deuxième point, savoir différencier, différencier les catégories de mots. Et nous allons voir qu'il y a trois catégories de mots. La première catégorie, c'est El fi'lu ». Répétez, El fi'lu ». La deuxième catégorie, c'est El Ismou. Répétez, El al-ismu » Et la troisième catégorie, c'est el al-harfu » Répétez après moi el »« Fiel signifiant « verbe »« ism » signifiant « nom »« harfun » signifiant « particule » Premier élément, nous nous rappelons les « alamatun » de base. « al-alamatul asliyatun » alamatul Les signes de base, ils sont au nombre de trois. Vous les connaissez parfaitement. Premier signe nous l'avons écrit ici avec un boad répété Deuxième signe el avec un Kaf. El répétez après moi El Enfin troisième signe, « al-fat-hatu répétez après moi, El al al-fat-hatu al ». Donc, lorsque j'ai un mot sur lequel, une, pardon, pas un mot, mais une, une lettre sur laquelle j'ai « elle « al-kasra » ou bien le al-fat-ha », ici, ça va faire « ou », ici, ça va faire « i », et ici, ça va faire « a ». Mais ça, ce n'est que de la révision, vous l'avez déjà appris dans l'alphabétisation. Deuxième élément et tenoui répétez après moi. Et tenoui ce qui signifie deux signes. On a ضammatani, on a kasratani, et nous avons fatchatani, tout simplement. Donc, deuxième point. El kalimatu tanqassimu ila thalathati aqsam El kalimatu tanqassimu. Il a, ce qui signifie le mot el-Kalimatu se divise, tan en trois catégories. Thalatha » ça veut dire trois. Aksem, trois catégories. Première catégorie, el fi'lu » Répétez après moi, el fi'lu » ce qui signifie le verbe. Exemple, tha ha -ba. Répétez, tha ha -ba. Deuxième type de catégorie qui est la plus importante et de très très loin, el ismo. Répétez après moi, el ismo. Ce qui signifie le nom. Exemple, Mohammedoun, un prénom par exemple, d'accord? Mohammedoun. Attention, notre prophète ne s'appelle pas Mohamed », mais Mouhmadoun, d'accord? Et enfin troisième catégorie. El harfou que l'on va traduire par lettre ou particule. Je préférerais particule. D'accord Exemple, on prend deux mots. Il al-Masjidi. Répétez après moi. Il al-Masjidi. D'accord Ici, le harf, c'est ila. D'accord Le harf ici, c'est ila. Et on va voir la définition de chacune de ces catégories. Donc, on va lire ensemble, Inch'Allah, toute la phrase qui est. Zahaba, qui signifie il est allé. Mohammedoun, donc Mohammed est allé. Il a vers Al-Masjidi, la mosquée. Mohammed est allé à la mosquée. Donc, première définition, qu'est-ce qu'un ism Parce que vous allez voir que c'est essentiel, c'est vraiment essentiel de savoir faire la différence entre ces trois catégories et de classer les mots. Dans une ou l'autre de ces trois catégories. Pourquoi Tout ce que vous allez trouver en langue arabe rentrera dans une de ces trois catégories. Ismun, fi'lun, harfun. Répétez après moi. Ismun, fi'lun, harfun. Et grâce à cela, nous allons pouvoir faire par la suite l'analyse grammaticale. Et lorsque je vous dis ça, je souris. Parce que vous allez aimer l'ihrab, inshallah ta'ala. Vous allez aimer faire inshallah ta'ala. Et même si vous n'allez pas forcément beaucoup l'apprécier, vous allez apprendre à l'aimer. D'accord Barakallahu Donc, el ismu que l'on traduit par le nom. C'est un mot qui indique une chose, un objet, un animal, une personne ou autre chose, et attention, et qui n'est pas associé à un temps. Pas associé à un temps. Et qui tout seul a un sens, d'accord Il n'est pas lié à un temps et il a un sens. Exemple Muhammadun. Deuxième catégorie de mots al al-fi'lu », que l'on va traduire par le verbe. C'est un mot qui indique, regardez bien, une action. À premier des éléments, il indique une action et deuxième des éléments qui est rattaché à un temps. Ici, les deux mots d'ordre sont action et soit l'accompli, soit le présent, soit le futur. Le passé, le présent ou le futur. Exemple, dha, ha, ba. il est allé. On voit que l'action, c'est le fait de se déplacer ou d'aller vers quelque chose ou vers quelqu'un, et que c'est lié à un temps. Ici, et vous allez l'apprendre par la suite, c'est l'accompli, c'est le passé. Enfin, dernière catégorie, et pas des moindres, qui est al-harfu, que l'on va traduire par la particule. D'accord C'est un mot, une particule qui... « employé seul » n'a pas de sens. Donc c'est ça qui va nous permettre de réussir à faire la différence entre d'une part un mot très court, par exemple qui aurait deux lettres, et un harf d'autre part. C'est qu'en fait, ce mot-là, le harf, si je l'utilise seul, ça ne donne pas de sens. Je vais vous donner un exemple. On va prendre avec les trois catégories. Par exemple, je rencontre une personne. « Assalamu alaikum wa rahmatullah »« Wa alaikum salam wa rahmatullah » Je le regarde et je lui dis « Zahaba »« Il est parti ». La personne ne sait pas exactement de quoi je veux parler, mais il comprend qu'il y a eu une action, qu'il y a une personne, « dhahaba », ça revient à « donc « il », sans « s »,« il est parti ». Je ne sais pas exactement de qui tu parles, mais je comprends plus ou moins de quel sujet tu veux traiter. D'accord Donc ça, c'est par exemple avec un verbe. Donc, « employé seul », il a un sens. Ou bien alors, « salam alaykoum »,« alaykoum salam »,« weshraq »,« kidir », on va faire un petit peu en dialecte, et je lui dis « Mohammed. Alors, il ne sait pas ce que je veux exactement, mais il comprend que je parle d'une personne qui s'appelle Mohammed. Par contre, regardez, il a, il a, que l'on va traduire par vers, vers quelque chose. Ou bien alors ala, sur. D'accord Ou bien alors min, depuis. Si je viens, salamu alaykoum »,« ou alaikum salam, ila. Quoi Il a Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais même pas si c'est un déplacement, je sais, ne sais même pas si c'est regarder vers » ou quoi que ce soit. Allah, sur. Je ne sais pas quest ce qui est sur quoi. Donc, ça n'a pas de sens tout seul. Donc, c'est ce qui va nous permettre aussi de faire la différence entre d'une part un nom, d'accord, un ism, et d'autre part une particule, un harf. Et profitez bien du fait que je vous traduise les mots. Parce que, à partir de la prochaine leçon, je ne vous dirai plus fi'l, verbe, ism, nom, harf, particule. Non Fi'l, ism et harf. Ça fait partie aussi de la méthodologie. La langue arabe. Et la grammaire arabe s'étudie, d'accord, avec les termes grammaticaux arabes. Je ne suis pas partisan du fait de donner à chaque fois une, euh, une correspondance, en fait. Et vous allez le voir au fur et à mesure de l'enseignement, inshallah Il faut toujours avoir en tête ce partage, car un mot fera toujours partie d'une des trois catégories. Et ceci nous sera utile lorsque nous ferons l'analyse grammaticale des phrases qu'on appelle el iraabu la matière dont vous allez tomber amoureux, inshallah ta'ala. Exercice à faire pour la prochaine fois. Dans Surat Al-Fatiha, classez les mots en fonction de leurs catégories respectives. Alors j'ai pris Surat Al-Fatiha parce que c'est une Surat que tout musulman connaît. D'accord Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahbilalameen. rahim Maliki ou jusqu'à la fin de la sourate. Donc, dans le livre de l'édition Méthode Médine Plus, vous avez la Fatiha et vous allez devoir colorier en bleu ce qui est un ism, colorier en violet ce qui est un fi'l, selon vous, et colorier en rouge ce qui est un harf, et vous aurez la correction sur le livre. Et c'est avec cet exercice que nous finissons cette introduction, Alhamdulillah. Alors, à tout de suite pour la leçon numéro 1 barakallahu fikoum